Les Beaux Outsiders, un coup sur le 3 et le 4. Le 3 Maestro S pour ce retour en forme, Feuille Moipan également. Allez, on est déjà à la voiture avec le 7. Tout et sans oublier peut-être trop vite un Montana Van Hunt à 34 euros, capable de surprendre à tout moment. Ouais. Dans des épreuves rythmées, bien entendu. Gérard côté corde avec côté Lini. Il avait deux bonnes cartouches dans les deux premières courses, ça s'est mal passé. Hein. Et pour Féo Trafo et pour Ikit Dufel. Féo Trafo, c'était déjà pas simple avant le coup avec le départ en deuxième ligne. Regardez les chevaux derrière la voiture, là, ce qui hésite un petit peu, tête en l'air. Ah, il prend de vitesse, hein, ce numéro 1. Il assure Gérard dans les premiers mètres. On est parti très vite en pleine piste avec Nefertiti Boom. On part bien également avec tout en dehors le numéro 7, Oya Lele DHM. Ensuite, nous avons côté corde le numéro 4, Effet Moipan, qui est bien mieux parti qu'à son accoutumé. Avec également le 8 qui est parti très vite également. Montana Van Erent, encore un attentif qui est déjà en quatrième position. Le deuxième favori en tête de course, c'est Nefertiti Boom, accompagné par Oya Lele DHM, suivi par Effet Moipan, qui est elle-même accompagnée par Montana Van Erent. Maestro S qui vient ensuite, Oscar Van Albeek et une cassure ensuite pour retrouver la deuxième partie du peloton. Deuxième partie du peloton emmenée par l'As Othello de Ligny côté corde et la favorite à son extérieur qui progresse en 8e position. Christophe De Peut qui laisse quelque peu passer l'orage. Ouais, Montana Van Erent qui vient en tête, c'est pas chose commune. Hein. Montana Van Erent qui va tout de suite être repris bien sûr avec Oscar Van Albeek qui lui va venir en tête et lui on sait qu'il peut dérouler de loin. Hein. Oscar Van Albeek attention avec Anna Huygens qui va une nouvelle fois avoir le bon parcours. En 3e position nous avons le 7 Oya Lele DHM avec le 5 Nefertiti Boom, tout cela en file indienne. Pour l'instant, on laisse passer l'orage avec Oasis qui est tout de même assez loin. Hein. Après avoir vu quelques attentistes aux avant-postes, on retrouve Oscar Van Albeek qui pourrait bien emmener cette épreuve jusqu'au bout. Oasis, la favorite, se retrouve un petit peu piégée à deux nez au vent. À présent, elle emmène One Love Bianca dans son sillage. Un travelling à présent avec le 2 Oscar Van Albeek seul au commandement. Montana Van Erent dans son sillage. En troisième position, le 7 Oya Lele DHM Nefertiti Boom qui attend ensuite. Et Oasis qui attend tranquillement à l'arrêt du peloton. Christophe De Peut qui s'est même rangé côté corde dans le sillage de Maestro S. Christophe De Peut intelligemment qui ne veut pas faire le travail pour les autres. Le 9 fait la faute, Oliver Nolan. Là, ça fait une courte faute également. Ces deux concurrents viennent d'être disqualifiés. Peloton en file indienne avec plus d'un tour encore à effectuer. Toujours sous la conduite d'Oscar Van Albeek. Dans son dos, nous avons Montana Van Erent. Troisième, Oya Lele DHM, le 7. Suivi par Nefertiti Boom, pas de changement. Et Feuille Moipan qui est plus proche que d'habitude, avec également Maestro Ace et la favorite Oasis qui s'est rabattue le long de la corde, hein, qui vient en 6-7e position. Tout cela en file indienne, un peu plus haut, et encore Hurricane Hill, le numéro 12. Un peu plus d'un tour de l'arrivée, la lueur est toujours soutenue et régulière sous l'impulsion de cet Oscar Van Albeek. Montana Van Erent dans son sillage, Oya Lele DHM, le wagon 2 qui est formé à présent par Feuille Moipan qui emmène la favorite Oasis, elle-même suivie par One Love Bianca. Ouais, avec toujours à l'arrière le numéro 12, Hurricane Hill. Nous sommes à moins de 1000 mètres du but, avec Oscar Van Albeek qui a l'avantage depuis le départ. Le 6 vient d'être disqualifié à son tour, c'est Avanadov. Toujours Montana Van Erent au deuxième, suivi par Oya Lele DHM. Le 5 vient un peu plus loin. On ne progresse pas à deux, hein, avec Feuille Moipan. C'est pas forcément le bon dos pour Oasis. Oasis qui se maintient toujours en 6-7e position. Ce qui fait tout à fait les affaires du leader, qui va toujours très bien, c'est Oscar Van Albeek. Montana Van Erent dans son sillage, Nefertiti Boom qui est décalé de la corde, tout comme Oya Lele DHM. Les choses sérieuses s'annoncent, mais Oasis est toujours englué dans le peloton. Ouais, le tournant final avec Oscar Van Albeek qui tient le bon bout. Attention à Montana Van Erent qui est bourré de gaz dans son dos. Ensuite, nous avons le 7 Oya Lele DHM, le 5 Nefertiti Boom, le 4 Alexa et Oasis qui replonge dans la corde, qui aura bien du mal à faire l'arrivée là où elle est. Maestro Ace essaie de venir également côté corde. Oscar Van Albeek qui réaccélère encore dans le dernier virage, qui se détache sensiblement de Montana Van Erent, Oya Lele DHM, Nefertiti Boom qui n'est pas encore lancé par Kelly Mai, Oasis qui n'est pas encore lancé non plus, One Love Bianca qui fait l'intérieur. Ça va toujours bien pour Oscar Van Albeek. Oscar Van Albeek est sollicité par Anagan, ça finit fort avec Oya Lele DHM, avec également Nefertiti Boom à l'extérieur. On est battu avec Oasis qui ne pourra rien faire. Oscar Van Albeek qui va s'imposer dans cette épreuve, dans le numéro 7 qui va terminer deuxième, Oya Lele DHM. La troisième place pour le numéro 5 Nefertiti Boom et la quatrième place à la lutte entre le 11 Oasis et le 10 One Love Bianca. On a revu le meilleur visage d'Oscar Van Albeek, il a mis tout le monde d'accord, il s'impose très facilement sur ce parcours de longue haleine avec le retour également d'Anagan à son sulky. Deuxième place pour le 7 Oya Lele DHM qui ne remporte pas encore sa course mais qui prend une nouvelle fois une place sur le podium. Troisième, le 5 Nefertiti Boom, quatrième place plus serrée, on va revoir sur le shutter peut-être. Je pense que le 11 va prendre cette quatrième place.
2, 7, 5, 11 et 10 à la photographie. On va voir cette photo dans quelques instants. Le 7, le 2 qui a l'avantage et qui va repousser toutes les attaques. Donc 2, 7 et 5, photographie. On n'est pas très heureux une nouvelle fois avec Wenlove Bianca, long de la corde. 2, 7, 5, photo 11 et 10 pour la quatrième place.